Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, spécial Grand Champion avec Jérôme Moffra. Salut Jérôme. Salut Stéphane. Alors on va voir un super champion russe des années 50-60-70, hein, il a une carrière assez longue. Carrière assez longue, mais sa carrière de joueur est plutôt située dans les années 50. Voilà, c'est Alexander Alexandrovitch Kotov. Qui reste connu pour la plupart des amateurs pour son fameux livre « Penser comme un grand maître ». Qui est en fait un volume d'une trilogie, évidemment de trois livres, dans lequel il explique sa fameuse technique du coup candidat, selon laquelle il faut réfléchir à un coup candidat et ensuite calculer les arborescences en fonction des coups candidats qu'on a sélectionnés. Oui. C'est une technique qui a été débattue, réutilisée, modifiée et assimilée par de nombreux joueurs et de nombreux auteurs qui ont suivi Kotov, qui, au-delà du fait qu'il était un très fort joueur, est resté plutôt un auteur prolifique à partir des années 60-70, et c'est pour ça aussi qu'on a retenu son nom. Alors, on va voir tout de suite une image d'Alexander Kotov. Voilà, on le voit ici, plutôt dans ses jeunes années, je ne sais pas, il a une vingtaine d'années. Voilà, là. Il doit avoir une vingtaine d'années. Il est né en 1913 à Toula, c'est une ville qui se situe à environ 200 km de Moscou, qui a été la première fabrique d'armes, Toula, institué par Pierre Ier en 1712, donc c'était la spécialité de la région, c'est plutôt l'armement. Du reste, Alexander Kotov va faire des études d'ingénieur, comme beaucoup de joueurs russes de l'époque, de joueurs soviétiques. Et son premier contact avec les échecs, en fait, ou son premier contact avec les jeux, c'est d'abord le jeu de dames. Et il apprend les échecs après, à 14 ans, ce qui est relativement tard, puisque la plupart des jeunes champions, ou des grands champions qu'on a vus et qu'on verra dans l'histoire du jeu, commence assez tôt, vers 6-7 ans. Lui, il commence relativement tard et n'abandonne pas pour autant ses études. Il ne se voit pas faire une carrière de joueur d'échecs international. Ce qui n'empêche pas d'avoir de très très bons résultats, même dans ses jeunes années, dès avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'en 1939, il ne perd le titre de champion du RSS face à Bodunik qu'à la dernière ronde. Donc il a manqué de peu d'être champion du RSS dès 1939. Pendant la guerre, il obtient le titre de grand maître soviétique et puis sa carrière décolle véritablement à partir de 1945, à la libération, puisqu'en 1951, il fait partie des premiers joueurs à obtenir le titre de grand maître international d'échecs. Et en 1952, il a son meilleur résultat, qui est sa victoire à un interzonal en Suède, où il marque 16,5 sur 20 et se qualifie pour le zonal de Zurich de l'année suivante, dans lequel il fait une grosse contre-performance. Et ça marque un petit peu un coup d'arrêt dans sa carrière. On le voit moins jouer après. Il remporte encore des tournois. Il fait égalité. Il remporte le tournoi d'Hastings à égalité avec Gligorich quelques années plus tard. Mais il se consacre ensuite davantage à l'écriture. C'est un auteur très prolifique, puisqu'entre 1953 et 58, par exemple, il rédige une grande biographie en 4 volumes d'Alexander Alekhine, le grand champion russe blanc, qui n'était pas très bien vu à l'époque de Staline. Qui a fini en France, et qui s'est enfui, comme beaucoup de Russes à l'époque, surtout les Russes blancs, bien sûr. Et Kotov contribue à réhabiliter Alekhine, en se penchant, bien sûr, sur l'extraordinaire créativité du jeu d'Alekhine, plutôt que sur les aspects politiques. Mmh. Et ça permet de réhabiliter cette figure importante des échecs. Donc, de manière générale, de toute façon, on ne peut pas dire que Kotov et était spécialement rebelle vis-à-vis du pouvoir soviétique. C'est véritablement la personnalité d'Alekhine et le joueur d'échecs qui met en valeur, pas le russe blanc. Par ailleurs, Kotov se montre volontiers très zélé en faveur du régime soviétique, puisqu'il rédige notamment un livre qui s'appelle « L'école des échecs soviétiques » où il fait la promotion du régime communiste en disant que les victoires soviétiques aux échecs sont le résultat logique de la culture socialiste qui a été instituée par la Révolution. Ouais. Donc c'est plutôt quelqu'un de très zélé, c'est un peu un apparatchik des échecs soviétiques et qui a contribué, notamment par les méthodes d'entraînement, à maintenir la pérennité de l'école soviétique. Donc c'était un grand serviteur des échecs soviétiques. Oui, c'est un des fondateurs de la pensée d'apprentissage du jeu. Voilà. Et encore aujourd'hui, pendant longtemps, effectivement, l'histoire du coup candidat, c'est une des méthodes d'apprentissage de la maîtrise importante.
qui permet de structurer la pensée pour jouer, pour savoir quoi jouer dans les positions oui, complexes. Hein. Les entraîneurs, même aujourd'hui, se réfèrent encore à Kotov et à la notion de coup candidat. C'est, c'est un terme qu'on retrouve aussi bien dans les livres que dans les stages. Alors c'est quoi un coup candidat en fait ? Un coup candidat, c'est toute la question en fait qui se pose. Il peut y en avoir plusieurs, mais l'examen de l'échiquier nous permettrait de voir 2-3 coups candidats, voilà. D'éliminer ceux qui ne sont pas intéressants et de se pencher sur le calcul des arborescences concernant chaque coup candidat pour déterminer à la fin lequel offre les meilleures chances. Toute la question étant de savoir exactement, et ça Kotov le précise pas forcément, et certains auteurs l'ont critiqué pour ça, c'est comment je fais pour repérer un coup candidat. Oui. Parce que, mais est-ce que ma façon de repérer le coup candidat sera la bonne, et est-ce qu'un grand maître va pas repérer d'autres coups candidats que moi en définitive? C'est peut-être toute la question de cette méthode, mais en tout cas, il a offert un cadre et une structuration de la pensée échiquienne rationnelle. Il a peut-être aussi anticipé ce qui allait devenir après la méthode informatique classique, voilà. D'élagage, c'est-à-dire on crée des arbres en informatique où on voit tous les coups, mais on finit par élaguer l'arbre, on coupe les branches au fur et à mesure qu'on la fonction évalue les positions en fait. Bon, et lui, il propose de faire ça évidemment avec le cerveau et pas avec la machine. Oui, parce que les machines existaient déjà, mais elles étaient à leur balbutiement encore à l'époque dans les années 50. Voilà, donc Alexander Kotov. Alors, pour illustrer ce grand champion, on a autre chose à dire peut-être sur la fin de sa carrière ou... Non, parce que sa carrière, en fait, se termine assez tôt. Il sent qu'il a atteint ses limites. Qu'il a atteint le top. Qu'il ne pourra pas aller plus haut que le zonal. Il le vit vraiment comme un échec et préfère se pencher sur les aspects plus théoriques, la réhabilitation d'Alekhine, la découverte d'une technique de réflexion, l'entraînement... Et tous les aspects liés aussi au développement des échecs en URSS. Il est très impliqué dans la Fédération soviétique des échecs dès les années 50. Donc c'est plutôt quelqu'un qui va être une sorte de tuteur pour les futurs champions et qui sera un entraîneur aussi pour toute la jeune garde soviétique des années 60-70. Alors ça fait une très bonne transition vers la partie du jour. On va revenir sur le plateau un peu. Voilà. Je vais passer à... notre partie du jour, alors il faut que je me mette en début de partie, voilà. Donc ce que tu disais, il va être un tuteur un peu pour la jeune garde, et là on est en plein dedans parce qu'on est sur une partie entre Kotov et Spassky. Et à ce moment-là, Spassky est encore jeune. Oui, puisque je crois que la partie est de 1959. Donc, exactement. Spassky est encore un jeune joueur qui a besoin de se faire les dents, tandis que Kotov, lui, a déjà une quarantaine d'années. Au championnat du RSS. On est au championnat du RSS, qui est quand même, à l'époque, sans doute l'antichambre du championnat du monde. Hein. Oui. Quoique Fischer commence à pointer du nez. Hein, parce que, il y aura Fischer et Larsen qui viennent ajouter au championnat du RSS la participation de l'Occident, mais c'est vrai que le championnat du RSS est quasiment un championnat du monde à l'époque. Ouais. Donc on va voir une partie de Kotov en pleine force de l'âge, parce qu'on est en 59, donc il a 46 ans. 46 ans déjà. 46 ans, parce que Spassky est encore tout jeune. Hein, en 59, quel âge a Spassky ? Il est devenu champion du monde en 69 à 20 et quelques, donc il doit être en dessous de 20, quoi. Il doit avoir 20 ans à peine. Une vingtaine d'années. Même moins, je pense qu'il doit avoir 18, même par là. Donc, bref, en tout cas, un jeune Spassky, pas encore aguerri, pas encore le Spassky qui s'est cassé les dents sur Petrosian 3 ans plus tard. Mais un Spassky qui rencontre un vieux briscard du circuit, puisqu'il est déjà vice-champion du RSS, comme tu disais, en 1939. On est 20 ans plus tard, il est toujours là, le Kotov. Il a écrit des livres entre-temps. Et il rencontre Spassky, donc Kotov avec les Blancs, démarre cette partie avec C4. Alors voyons comment le vieux briscard va traiter le genou. C'est ça, hein? Voilà, avec ce qu'on... C4 initie ce qu'on appelle la partie anglaise. Oui, partie anglaise, souvent. Alors, souvent. Ça peut dévier. Ça peut dévier, on peut rentrer dans des gambit dames avec D4, bien voilà. Sûr. Hein. C'est ce que Fischer a accepté de jouer dans son match face à Spassky pour ne pas jouer D4. Hein, parce qu'il ne voulait pas jouer D4 pour ne pas se dénier. Mm-hmm. Sinon, il jouait E4 tout le temps. Mais il a voulu changer, mais pour ne pas jouer D4, puisqu'il a dit qu'il n'y a que les poules mouillées qui jouent D4, il a joué C4. Mais ce qui peut revenir dans des positions à ouverture D4. Alors C4, cavalier F6. Alors, c'est un peu ce qui va se passer ici d'ailleurs. Hein. Cavalier F6, cavalier C3, G6. Voilà, on rentre dans une partie indienne. La couleur est annoncée. D4, et fou G7, est indienne. E4, donc invasion du centre par les blancs,
Et les Noirs vont essayer de contre-attaquer ce centre à distance. On a déjà le fou qui est en embuscade. On va tôt ou tard jouer D6, sans doute E5. Pardon, pas E6, mais E5 pour faire déjà des pressions au centre, voire C5. Et essayer soit de bloquer le centre, soit de l'ouvrir. Et de faire vivre ce fou et de le contre-attaquer à distance. Et si on bloque le centre, les Noirs vont essayer d'attaquer à l'endroit. L'idée ici, c'est de laisser les Blancs occuper le centre. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs complètement le contrôler, mais en tout cas l'occuper, essayer de fixer la chaîne de pions et puis l'attaquer par des poussées latérales, tu l'as dit, comme C5, éventuellement F5, pour justement faire exploser ce centre blanc. C'est ce qu'on va voir. Donc alors D6, et là F3. Alors ça c'est un coup responsable, puisque F3 n'est pas le coup le plus usité, on peut dire que le coup le plus usité c'est sans doute KB F3, parfois aussi fou E2. Une variante un peu subtile aussi. Et F3, on rentre dans la variante Semich. Donc, variante Semich, qui a été notamment beaucoup jouée par Karpov lui-même, y compris contre Kasparov d'ailleurs, qui est une variante extrêmement solide et extrêmement positionnelle face à l'Est indienne. On joue F3 tout de suite. On consolide énormément le pion, ici, le pion E4, donc la case E4, qui est déjà protégée aussi par le cavalier, mais on consolide. Et on va avoir un développement à base de fou E3, à base de cavalier E2 rampant, et puis sans doute cavalier C1 parfois, et après peut-être on vient en D3, D3 ça arrive oui. aussi. Et un développement lent, mais qui est très, très difficile à percer du côté noir. Si les noirs veulent être agressifs, c'est difficile de l'être contre cette structure-là, qui est extrêmement solide. Donc, petit roc. Fou E3, notez que ce fou est important hein, puisqu'il est de case noire face à une structure ici sur case blanche, donc structure ici, chaîne de pions complémentaire du fou. La poussée F3 a affaibli quand même deux diagonales importantes pour le roi blanc, oui. C'est la diagonale H4, E1. Ah, celle-là. Celle-là est problématique dans un premier temps, et puis une autre diagonale qui peut être problématique dans un deuxième temps, qui est la diagonale G1, A7. C'est vrai. Puisque après le petit roc, on peut supposer que les blancs vont faire le petit roc, après le petit roc, le roi se trouve sur cette case G1, et donc en ligne de mire éventuelle d'un fou ou d'une dame sur case noire. Voilà, exactement, tout à fait. Ce sont des thèmes qu'il faut garder à l'esprit. Bon, on n'est pas encore là. Il n'y a pas de véritable danger. Pour l'instant, tout ça est bien obstrué. Il n'y a pas d'échec à craindre. E5. Mais ça y est, déjà, on enlève un. On enlève oui. un pion. Donc, on pourrait. Il y a des variantes d'ailleurs où les noirs jouent cavalier H5 et on se retrouve avec un petit échec là, parfois pénible à gérer. Bon, là, il y a le fou, on pourrait revenir, etc. Donc, E5. Voilà, en tout cas, la question se pose. Les noirs peuvent menacer de prendre, peuvent aussi menacer de jouer C6, puis plus tard D5, parfois pour ouvrir le centre. Parce que ce coup est quand même un coup rampant, on n'a pas développé de pièces, en jouant ça on a perdu du temps alors qu'on a déjà roqué ici, donc si on arrive à ouvrir le centre, parfois si les blancs sont trop lents, eh bien on peut se retrouver en danger avec le roi au centre ici. Donc il faut faire attention. Donc blocage, voilà, en jouant D5, on enlève toute possibilité tactique précoce dans la partie, mais on a fixé notre structure de pion, donc elle est déjà fixée. Donc les noirs savent quoi faire, elles savent ce qui s'est passé au centre, comment la structure est figée au centre, elle est figée, il n'y a plus de mobilité. Donc un des plans des noirs peut être de pousser F5 assez vite et de ne pas laisser les blancs les étouffer en jouant G4 par exemple, hein, ce genre de choses. On peut remarquer aussi que le fou blanc de case noire est complémentaire de la chaîne de pions. Oui. En revanche, le fou F1 fait un petit peu peine à voir pour le moment. Oui. Alors ce fou, parce qu'il n'a pas voilà. beaucoup d'avenir. Hein, a priori. Il bute ce fou là contre ses propres pions. Donc ce fou là aura du mal à vivre. Hein, pour l'instant, il est en attente que la structure de pion change de couleur. Mm. Alors, un coup intéressant dans cette position de la part de Spassky, C5. Alors C5 pose une vraie question noire parce que si, évidemment. Sur C5, on peut envisager de prendre en passant. Mais alors, si on prend en passant, on peut gagner du temps de développement, par exemple, par cavalier prend. On peut aussi rapprocher un pion du centre avec la possibilité de jouer D5 très vite et créer une ouverture du centre extrêmement rapide. Étant donné que le développement est quasiment fini du côté noir et que les fous ont des perspectives, ça peut s'avérer extrêmement dangereux. D'autant plus que les blancs ne sont pas prêts de roquer.
Oui, bah oui, étant parce donné que le fou F1 et le cavalier G1 sont encore sur leur case de départ. Oui, alors en plus, si on prend C6 après B prend, on n'a pas envie de roquer grand roque parce qu'il y a la colonne B qui est ouverte, plus un fou derrière qui peut se réveiller, ça peut faire mal. Donc, ce coup est joué au bon moment parce que il fixe totalement le centre. Ça devient très dur pour les blancs d'envisager une attaque à l'aile dame ici. C'est possible, hein. Mais il va falloir jouer tour B1, il va falloir jouer A3, B4 pour essayer d'ouvrir le jeu. Avec peu de perspectives finalement, parce que même si on fait un échange, on ne voit pas trop comment on poursuit. Donc c'est un jeu qui bloque. Alors quand on sait qu'aux échecs, et notamment dans les positions fermées, quand on a bloqué le centre, on peut commencer à envisager très sérieusement d'attaquer sur les ailes, parce qu'il n'y aura pas de surprise au centre. Donc ça va être l'heure de très rapidement de jouer des cavaliers H5, cavaliers E8 ou F5, et de lancer des attaques. Alors il vaut mieux attendre aussi que le roi choisisse son camp, avant d'aller trop loin dans l'attaque, sinon on va avoir un roi tout nu et un roi blanc qui peut passer de l'autre côté. Bon, bref, il faut quand même aussi savoir quelle adresse va être donnée. À noter aussi que sur ces structures, les noirs peuvent aussi envisager des A6, B5, sacrifices de pions pour ouvrir le jeu à l'aile dame et avoir du jeu. Voilà, donc c'est un bon coup, C5 bien sûr, pour ce type de position. Kotov, évidemment, ben, il a de l'expérience. Comme il voit ses possibilités, ben, il joue G4 tout de suite. Alors ça, c'est fort aussi, parce que G4, maintenant, l'idée, c'est de dire, ben, vas-y pour F5, hein, parce que moi, je tiens parfaitement la case F5, voire même, pourquoi pas jouer G5 et verrouiller la case F6, empêcher F5 pour prendre en F6, et pourquoi pas moi-même commencer à attaquer aussi à l'aile roi. C'est tout à fait faisable. En tout cas, en faisant ça, je dis que ben, je justifie mon coup F3 encore plus, parce que non seulement il protège le centre, mais il protège une expansion à l'aile roi. Et puis, ben, si tu as bloqué le centre et que tu envisageais d'attaquer à l'aile, ben, c'est moi qui attaque en premier. Par contre, ça veut dire que mon roi, maintenant, j'ai donné un peu son adresse. C'est-à-dire que soit je reste au centre, soit je vais à gauche. Oui. Parce que je me vois mal faire le petit roc dans ces conditions ici. Hein, petit roc ici, avec quand même beaucoup de courant d'air autour du roi. Cavalier E8, ça c'est logique, c'est ce qu'on avait dit. Alors, on évite de se faire chasser le cavalier, mais surtout, on peut préparer F5. On n'a pas du tout peur de ce coup, parce que l'ouverture ici, prise, etc., avec le fou qui sort, nous donnerait un jeu magnifique, un pion F3 qui serait mauvais. Mmh. Donc, ben, F5 est toujours dans l'air du temps. Et là, maintenant, par contre, c'est presque une discussion théorique entre dire est-ce que G4 est un bon coup ou pas. Eh ben, ça va dépendre du fait que F5 est bon ou pas. Alors, c'est une affaire de grand maître. H4. Alors ça, on poursuit l'attaque. Ouais, c'est très responsable. Alors, ça évite. Ça évite déjà l'échec dame H4, voilà, même s'il n'était pas trop à craindre, parce que fou F2 défend très tranquillement. Voilà, mais H4 est très important. Ça a surtout une autre ambition, c'est d'ouvrir la colonne H. On veut ouvrir la colonne H, parce qu'on a déjà la tour qui est bien placée pour l'attaque, finalement. Mmh. On n'a pas roqué encore, mais le centre étant bloqué, ben, c'est pas si mal pour les blancs. Mmh. H5, on peut jouer dame D2, on peut aller échanger les fous. Et après avoir échangé les fous et avoir pris ici, eh bien la dame va attaquer ici et le roi risque de se retrouver sous le feu des pièces ennemies. C'est classique et ça peut être le moment pour les noirs de jouer quand même F5. Hein. Oui. On peut quand même contre-attaquer. Hein. C'est peut-être souhaitable parce que les blancs ont déjà poussé leurs deux pions G et H à l'aile roi. Oui. Le jeu noir à l'aile dame est peut-être un petit peu lent. Oui, oui, tout à fait. Le jeu noir à la dame risque d'être lent. Et puis, F5 peut menacer aussi F4 pour boucher, finalement. Parce que si on n'a que deux pions contre deux, c'est très dur d'attaquer, en fait. Parce que dès qu'on essaie de faire une rupture, hop, on bloque. Mmh. Et ça devient difficile de passer. Bon, en contrepartie de quoi, on pourrait avoir un fou de case noire ici, totalement emmuré dans ses propres pions. Oui, mais ça serait le cas aussi du fou ou de case blanche. Oui, c'est vrai aussi, tout à fait. Donc, mais F5, il fallait y réfléchir, hein, c'est tout à fait un coup jouable dans la position. Au lieu de quoi, Spassky ici, pas encore suffisamment aguerri sans doute, joue le coup A6. Alors, c'est aussi dans l'esprit du jeu de cette ouverture, A6. L'idée, bah, ça peut être d'empêcher des éventuels cavaliers B5, pourquoi pas, mais surtout de préparer avec ou pas un tour B8 derrière plus tard, ou très vite de jouer le coup B5. B5 pour ouvrir le jeu, enlever en cas de prise ici un soutien du pion D5, libérer le pion C5, et mais surtout ouvrir les colonnes ici de façon à attaquer là. Alors du coup, effectivement, l'adresse du roi blanc devient problématique, parce que si je peux aller ni à gauche parce que les colonnes sont ouvertes là, ni à droite parce que mon but c'est d'attaquer, il faut laisser le roi au centre. Bon, tant que le centre est fermé, c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais
il faut garder ça en tête, on accepte d'avoir un roi au centre. C'est toujours... l'idée est désagréable, même si concrètement... on a du mal à l'accepter le plus souvent, tout à fait. Fou D3. Alors forcément, fou D3 est logique. Même si le fou ici est bouché par ses pions, eh bien par transparence, ici en quelque sorte, il contrôle F5. C'est en cas de F5 qu'on peut prendre avec ce pion et le fou du coup vit. Il vit tout de suite, il peut même s'échanger contre ce fou ici. Et donc ce qui était un mauvais fou finit par s'échanger avec une bonne pièce, c'est pas plus mal. Et puis on peut imaginer que les blancs ont dans l'idée de jouer leur cavalier G1 en E2 puis en G3 pour soutenir l'attaque. Et c'est mieux que le fou passe d'abord. Ah mais oui, bien sûr, tout à fait. On a d'abord sorti le fou. G2, ensuite G3, et on a aussi un cavalier à l'attaque et qui va soutenir aussi H5, soutenir, enfin, contrôler la case F5. Et on a envie toujours d'avoir un cavalier en G3, bien sûr. Alors si en plus on peut l'avoir derrière des pions avancés, on a une belle position d'attaque. Mais là, B5, alors c'est bien, c'est parce qu'il ne perd pas trop de temps non plus. Il a choisi de ne pas jouer F5, mais d'attaquer l'autre côté. En tout cas, il ne perd pas de temps. Et regardez, il donne un pion. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un vrai sacrifice. Pion prend. Cavalier ou fou prend, peu importe. On a donné un pion, oui, mais on a ouvert la colonna et on a libéré le pion C, ce qui peut être aussi intéressant parce que ce pion peut pousser, attaquer le fou, gagner de l'espace. Ça peut libérer la case C5 pour un cavalier, pourquoi pas. Donc, ça donne beaucoup de jeu pour le pion et surtout, la problématique de savoir où va le roi se pose de plus en plus. Parce que s'il ouvre ici, il ne faudra pas qu'il roque de ce côté. C'est pour ça que Kotov choisit de ne pas prendre ce pion de gambit, c'est un vrai gambit, et il joue dame D2. Alors dame D2, c'est toujours dans l'idée. Regardez comme il est conséquent, Kotov, il continue. Hein. Il a contre-attaqué, il a attaqué sur l'aile roi, il joue dame D2, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut éliminer le défenseur du roi, s'échanger, H5, prise, et ça sera la dame ensuite qui va venir, soutenue par la tour, faire un échec mortel, avec sans doute, peut-être, une attaque de mat. C'est direct. Hein. Oui, c'est le plan classique d'échanger en H6. Hein. Le jeu n'est pas caché. Hein. Non, il n'y a pas de louvoiement. D'ailleurs, c'est un des trucs pénibles dans cette variante pour les joueurs d'Asteniennes qui ne savent pas trop quoi faire contre. C'est que le plan des blancs est hyper clair, mais on ne sait pas quoi faire pour l'empêcher, en fait. Ça va très vite. Hein, ça va très vite, oui. B prend C4. Bon, voilà, donc là, ça oblige au blanc de reprendre. Alors, l'intérêt qui peut être d'avoir pris avec le fou prend, c'est qu'on a moins de défense sur la case F5 déjà aussi. Hein. Donc si le coup F5 devient plus intéressant pour les noirs. Et puis le fou C4 est en l'air. Le fou C4 est en l'air. Oui. Une autre idée, c'est ce que fait Spassky, c'est de jouer effectivement cavalier D7. Cavalier D7, oulala, avec ici le cavalier. L'idée, c'est de venir en B6 et on gagne un temps sur le fou. Il faut que le fou reparte. Et pourra éventuellement pousser le pion. Et enfin, on pourra jouer ce fameux coup C4 qui contrôle la case D3, donne de l'air sur case noire, permet d'avoir des avant-postes éventuels. Et qui, en conjonction avec une tour B8, etc., donne du jeu au noir, sur l'aile dame. Et H5, Kotov continue son plan. Hein, vous voyez, comme c'est direct, je dis pendant que je ne sais pas ce que tu bricoles là, moi je vise le roi, et en attendant j'avance. Et là, c'est parce qu'il continue, mais tout ça est bien lent quand même. Cavalier B6, bien, et là, tranquillement, fou D3. On revient, en D3, alors rapidement. Les noirs ont gagné un peu de temps pour développer leur cavalier. Ils ont fait bouger le fou, puis il a dû revenir. C'est bien. Et là, A5. Alors voilà un coup responsable aussi. A5. Alors l'idée d'A5 peut être de libérer le fou C8 sur A6 pour s'échanger contre le fou D3, pourquoi pas. Ou pour soutenir la poussée C4 une fois qu'on a joué C4 pour soutenir le pion. C'est tout à fait envisageable aussi. Ça peut être... aussi une possibilité d'éviter rien du tout. Donc voilà, A5. Encore une fois, hein, c'est un coup qui est cohérent, ouais. Mais qui semble un petit peu... un petit peu lent. Un petit peu lent par rapport à l'imminence des dangers parce que les blancs sont déjà là, alors qu'on ne sait pas trop... on ne voit pas encore clairement quelle pression noire existe de ce côté-là. Ce n'est pas très clair. Donc Kotov, il continue. Il prend, je prends G6, et regardez, alors très important de ce parce qu'ici, il faut bien comprendre, hein, il fait F prend, voilà. Alors ça, c'est important, parce que si c'est parce qu'il avait fait H prend, ce qui est possible, le problème, c'est que ça laisse le roi noir totalement enfermé. Il ne peut pas sortir parce qu'il est bloqué par ses propres pièces ici. Donc c'est très dangereux, parce qu'après fou H6, la menace fou prend et dame H6 crée une menace de mat. Alors que,
en prenant du pion F, on se ménage ici une petite sortie pour le roi. Ouf. C'est-à-dire que ça donnera de l'air, ça donnera un coup de plus. Par contre, ça risque, ça peut donner le pion H. C'est-à-dire qu'en échange de quoi, on peut donner le pion ici de défense. C'est tout à fait possible. Mais il vaut mieux donner un pion que le roi. En tout cas, ça fait peur, évidemment, devant une tour comme ça, devant une batterie, de prendre du pion H avec un roi un peu étouffé. C'est quand même très dangereux. Il y en a beaucoup des mats comme ça, on en a vu plein. À noter aussi que les blancs ont deux possibilités après un fou H6 ici pour mettre la pression, soit en cas de prise-prise, mais aussi la possibilité de mettre la dame en H2 ici. Comme ça, on a une batterie et on attaque aussi H7. Hein. C'est d'ailleurs ce que va faire Kotov, puisqu'il joue dame H2. Ben, exactement, tout à fait. Et il menace. Il joue dame H2 tout de suite. De prendre en H7 directement. Il aurait pu tenter de fou H6, mais dame H2 est encore plus fort sans doute parce que ça crée une menace. Alors que fou H6 crée une menace en plusieurs temps. Là, la menace est directe. Menace, dame prend H7, échec. Gagne un gros pion et surtout un roi qui devient un roi faible, qui commence à bouger. Alors qu'il avait l'air d'être bien dans l'abri au début. Donc, ce qui n'est pas forcément le but. Donc, le coup suivant de Spassky est logique. Cavalier F6, on revient maintenant que le travail d'ouverture avec le pion F c'est fait, on revient le cavalier F6 pour défendre la case H7, ça paraît logique. On n'a pas peur d'un coup comme G5, hein. Non, pourquoi ? Mais cavalier H5. Voilà, sur G5, il y a le classique cavalier H5 et on bouche l'action de la dame qui ne peut plus taper sur H7. On est bien protégé par le pion G6. Ça va être lent pour les blancs d'essayer de déloger ce cavalier. C'est possible, hein, mais il va falloir faire des plans à base de cavalier E2, cavalier G3, tout ça est lent. Les noirs auront le temps de desserrer les taux. Les noirs ont le temps de faire beaucoup de choses entre-temps, donc il faut éviter des plans trop lents. Donc, Kotov trouve un moyen d'augmenter la pression et l'attaque simplement, de façon simple et efficace. Cavalier H3, donc ça c'est un joli coup. Développement du cavalier. Et simplement, je vais viser la case G5 puisque j'attaque le pion H7. Si ce pion bouge, ça m'arrange parce que s'il vient H6, il sera tôt ou tard sous le feu du fou E3, même si le cavalier, il suffira de l'enlever pour que la pression augmente. On peut même envisager de venir en E6, hein, puisqu'on est protégé par le pion D5. Un échange du pion central contre le pion H7, c'est pas plus mal, ça va mettre le roi totalement dans les courants d'air. La menace est claire et on ne sait pas trop comment faire pour l'éviter. On en est toujours là. Donc dame 7. Alors dame 7 de Spassky, c'est pas terrible, terrible. À la limite, s'il voulait défendre la 7e, j'aurais presque préféré tour 7 en fait. Hein. Oui. Je préfère défendre avec la tour parce que la dame ici bloque, du coup, va gêner la tour si elle veut coulisser. Puis finalement, on ne sait pas trop ce que fait la dame ici, quoi, par rapport à là, à part ça. C'est pas elle super. Elle est sur des cases noires qui sont occupées déjà par les pions et par des pièces. Ouais. C'est pas terrible, terrible. Bon, ceci dit, c'est une dame qui est défensive. Hein. Mais à choisir, finalement, on se demande si tour A7 n'était pas plus... Peut-être un peu plus précis. Un peu plus précis, je sais pas. Un peu moins lourd. Parce que mobiliser une dame comme ça, défensivement, c'est un peu dommage. Alors, cavalier E2. Alors là, on voit bien le briscard qui manœuvre, puisque... il y a presque... Alors, ce fou a une petite action, puisque par transparence, il contrôle F7. Ce fou est clairement actif. À tout moment, il peut venir s'échanger ici. Ce cavalier est prêt à bondir en G5. Et il y avait encore ce cavalier qui ne jouait pas dans l'attaque. Donc, en jouant ce coup, Kotov démontre qu'il sait aussi recycler ses pièces pour augmenter au maximum son efficacité. Il vient E2. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut, par exemple, venir en G3, commencer à contrôler lui-même des cases d'attaque. Ça peut être extrêmement utile. Je pense que c'est le mieux en fait, c'est ça qui menace tout simplement. Oui, parce qu'il peut avoir comme arrière-pensée de placer sa tour A1 en G1 à un moment donné. Il veut peut-être aussi plus tard, s'il veut mettre toutes les pièces à l'attaque, à rajouter l'autre tour ici. Ouais. Et sacrifier le cavalier G3 en F5 en ouvrant la colonne ou en H5. Voilà, exactement, effectivement. S'il met le cavalier en F5, prise, et tout de suite la tour G1 est en attaque, attaque le roi avec clouage du fou. C'est très dangereux. Donc tour B8 de Spassky. Alors on comprend le plan de Spassky, mais qu'est-ce que c'est lent. Regardez, il n'y a toujours pas une seule menace. C'est-à-dire même ce coup, qui est pseudo-actif, parce qu'il attaque le pion B2 par transparence avec le cavalier, il va falloir encore jouer le cavalier pour pouvoir attaquer véritablement le pion. Alors que de l'autre côté, toutes les pièces sont déjà au contact, et il y a déjà
beaucoup de calculs à faire pour essayer d'éviter des combinaisons dangereuses. Câble et G3, donc Kotov n'a pas peur, il rajoute sa dernière pièce et on est quasiment au niveau optimal de situation des pièces blanches. Elles sont quasiment toutes en position de bondir dans le camp ennemi, avec ici un potentiel d'attaque énorme. Il n'y a presque plus que cette tour là qui n'est pas à l'attaque. Même le fou là, à la limite, il peut jouer un petit rôle ici. En cas de KV5, on pourrait même envisager de prendre avec ce pion, parce qu'on peut jouer G5, et puis après, en poussant, on a le fou qui a attaqué H7. Donc, il n'y a que la tour là qui n'est pas à l'attaque. Alors que de l'autre côté, il y a quoi? Il n'y a rien du tout, en fait. Il n'y a même pas un contact. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est la petite poussée C4. Alors, la toute petite poussée C4 attaque le fou. Bon, très bien, effectivement, le fou est attaqué. Les noirs vont surtout pas donner le fou de case noire ici contre la tour, parce que même si on peut prendre le fou, la tour pénètre, fait pression. D'ailleurs, on ne peut pas pénétrer parce qu'on a la dame, il ne faut pas oublier. Mais on aurait donné notre fou d'attaque contre un cavalier qui ne joue pas. Il ne joue pas pour l'instant ce cavalier. Et puis notre fou, on n'a surtout pas envie de donner. Il est très très bien. Donc, sur ces quatre, on est quand même ici avec une toute petite menace. C'est-à-dire que si les blancs reculent, alors cavalier A4. Et là, la menace, effectivement, sur B2 existe. Hein. Alors, à noter ici que si le fou vient sur cette case, on a la dame aussi qui contrôle. Oui, mais elle ne contrôle plus le pion B2, par contre. Elle ne contrôle plus le pion B2, on est d'accord. C'est le petit souci. L'attaque vaut bien un pion. Hein. Fou alors, C2. Pour essayer de plus respirer, parce que là, il est quand même un petit peu engoncé derrière sa ligne de pion, c'est parce qu'il décide de faire un sacrifice au centre. Exact. Il sacrifie le cavalier B pour ouvrir la colonne B. Voilà, alors c'est-à-dire que là, le problème, c'est que Spassky, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas jouer... Il aurait bien aimé jouer cavalier A4 parce que ça attaque B2 avec le cavalier et la tour. Bon, mais il ne peut pas, il y a le fou. Simplement, je prends, j'ai gagné une pièce. Je n'ai même pas besoin d'attaquer, il suffit juste d'échanger tout maintenant et j'ai gagné la finale. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? S'il recule le cavalier ici, il bouge son fou, donc il n'a pas trop de cases. Donc comment faire pour créer une petite menace ici? C'est pas terrible. Donc il se décide d'y aller avec les grands moyens parce que sinon, il va se faire écraser en fait. Hein. La menace qu'avait G5 est trop forte. La menace aussi cavalier F5 peut arriver très vite. Avec, comme tu le disais, pourquoi pas, on peut même envisager un grand roc, hein. c'est pas exclu. Hein. Ou on peut envisager un roi F2, ou un roi E2, ou un roi D2, suivi de tour G1, ce genre de coup. Bon, mais il choisit de sacrifier au centre, KB D5. Voilà. Alors, ça lui donne quand même du contre-jeu. Un peu de contre-jeu, puisqu'on commence à attaquer B2. Menace B2. Après la reprise, la tour F8 menacera aussi le pion F3. Voilà, c'est-à-dire que si plus tard... Alors pour l'instant, c'est chaud à cause de ça. Oui, bien sûr. Mais effectivement, si on prend un jour ici, on peut commencer à attaquer un peu le pion F3. Puis surtout, là, on a le pion B2, on va s'empresser de le prendre ici. Après, on prend des 5 tours, prend B2. Voilà, donc les noirs, en fait, jouent leur va-tout pour éviter de se faire totalement écraser dans un ou deux coups, de se lancer dans une attaque. Alors, on a quand même deux pions pour le cavalier, ça c'est bien. C'est déjà pas mal. Une tour qui commence à être active. Et des possibilités, effectivement, de prendre encore un pion ici. Pourquoi pas d'attaquer le pion F3. Pourquoi pas de profiter de ce clouage du fou sur la dame. Pourquoi pas de faire un certain nombre de possibilités ici, même si le potentiel d'attaque blanc, est toujours bien présent ici. Hein. Donc, ça reste très dangereux. Donc, d'ailleurs, cavalier G5. Cavalier G5, la menace, simplement. Cavalier prend H7, attaque tour et cavalier. C'est dur là. Donc H6 de la part des noirs. Alors le problème de H6 évidemment c'est que ça met le pion sur la couleur du fou blanc. Et donc ce pion... Il suffit de retirer le cavalier qui est sur la case G5 pour que le pion H6 soit attaqué maintenant. Ouais, exact. C'est ce que fait Kotov. Voilà. Donc ici cavalier E4, menace prise ici. En F6, menace, fou, prend H6, ce qui fait beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si le coup G5 était envisageable ici. Ce que je suis en train de me dire. Alors, admettons que les noirs ici jouent G5 pour essayer de bloquer toute attaque sur le pion H6. Il y a le problème, voilà, oui, bien sûr. Il y a, la case. Oui. Et cavalier prend F6, cavalier H5. Ouais, ou même, oui, bien sûr, puis il y a le fou. Et puis le fou. Bon. Ah oui, on perd la tour en fait. On peut perdre la tour. Échec. Par exemple, dame prend. Et ouais, on peut envisager
On peut simplement protéger F3, on peut attention, il y a une menace, c'est fou H7 échec aussi, dame prend tour. Oui. Il faut parer l'échec et après la dame prend la tour. Et il y a aussi la menace de jouer cavalier H5. Mmh. Hein, attaque dame fou. Il y a beaucoup de possibilités de pénétration ici dans le camp ennemi. Donc cavalier 5, 4. Et cavalier prend des 5, c'est l'heure. Ça fait 3 pions quand même pour la pièce. Donc le tenant va falloir que Kotov quand même justifie son attaque parce que 3 pions pour la pièce, une tour active, les noirs commencent à respirer. Commence à avoir du jeu. S'ils arrivent à pousser leurs pions centraux et libérer le fou G7, ah oui, ça peut rapidement se retourner. Ça peut vite se retourner. Donc fou prend H6. Hein, donc là, il faut y aller maintenant. Il faut profiter de la position du pion H6. Et là, alors il peut y avoir des menaces comme fou G5 qui attaque la dame. Et la dame, maintenant, va venir en H7 faire échec. Si on prenait du fou, on laisserait la dame revenir prendre et protéger le roi. Donc une possibilité, c'est d'enlever le fou de l'attaque. Donc là, les noirs n'y vont pas par quatre chemins et jouent cavalier B4 en disant, bah, écoute, c'est simple, moi, en tout cas, j'attaque le fou qui ne peut pas bouger parce que si le fou bouge, c'est la dame. D'accord ? Clair. Donc là, les blancs n'ont pas trop le choix, il faut que l'attaque avance. Fou G5, ça y est, Kotov libère la colonne H. Pour sa dame, à noter qu'on ne peut pas jouer fou F6 puisqu'il y a cavalier et fou en prise ici, donc ça c'est pas possible. Et cavalier prend C2 ne fonctionne pas bien non plus. Alors, si les noirs font cavalier prend C2 échec, c'est possible, il y a échec, bah, simplement on prend. Parce que avec le fou, on attaque toujours la dame. Donc si les noirs reprennent en C2, eh bien, simplement, maintenant, on fait fou, prend E7, attaque la tour F8 et aussi le pion D6. Par exemple, tour prend F3 a l'air bien, puisqu'on récupère simplement un pion ici. Et on peut envisager simplement qu'aller prendre D6 avec le fou C8 qui est attaqué. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut envisager aussi? On peut aussi envisager de jouer tour B1 pour venir pénétrer en B8 et clouer. Le fou sur le roi. Le roi est toujours mal à l'aise, hein, de toute façon, dans cette position. À noter que si le roi bouge en F7, on a toujours des menaces de soit de D6 avec échec de prendre le fou, soit aussi des menaces en G5, échec, toujours avec la fourchette. Hein. Voilà, donc dame C7, dame H7 échec. Hein, donc finalement, il a joué dame C7, hein, il n'a pas joué l'avant, bien sûr, dame H7 échec, roi F7. Et là, très joli coup de Kotov, puisqu'il joue le coup tour H6. Très classique, le fou G7 est cloué sur le roi. Donc maintenant, clouage sur le roi, tour H6, et la menace, bien sûr, de prendre le pion ici, G6. Avec échec. Avec échec. Donc cavalier prend C2, échec. Et là, roi F1, simplement, pour Kotov. À noter que le coup maintenant cavalier 3 ne marche pas, puisqu'il y a le fou en embuscade, et bah, y a une menace noire, hein, c'est, encore une fois, c'est de prendre en G6. Maintenant, on a laissé prendre ici, c'est pas grave. Si les noirs prenaient ici la tour, par exemple, eh bien simplement, on ferait dame, prend G6, et où va le roi, hein, parce qu'il ne peut pas venir en E7 à cause du fou. En E8, il serait toujours un échec avec la dame, donc il faut revenir sur G8 ici, et là, tout simplement, on peut tenter encore revenir en... Voilà. En H7 et sur roi F7, maintenant c'est tour F6 échec. Ouais, on ne peut pas prendre avec le fou puisqu'on est protégé à la fois du fou et du cavalier. Donc il faut que le roi bouge. Et si le roi bouge, où c'est qu'il peut aller? S'il va en E7, c'est le fou qui saute. Et s'il va en E8, autre possibilité. On a un cavalier prend D6. On peut encore faire cavalier prend D6. Et là, que faire, hein, parce qu'attention, si on va sur les cases noires, on va prendre un échec à la découverte. On va prendre avec un échec à la découverte, ou on peut venir en F7, faire un échec, puis prendre la dame. Et enfin, tout saute, quoi, en fait. Hein. Là, c'est archi foutu. Là, il faut donner la dame. Oui. Et si on remonte en F7, on perd le fou F8 et la tour, ça va faire beaucoup. Et le roi ne craint rien, en fait, ici, hein, bizarrement, mais. C'est-à-dire, la dame ne peut pas venir faire d'échec, même le fou ne peut pas venir, il y a le pion qui gêne, donc c'est les noirs qui vont se faire mater en premier. Donc ça va très vite. Hein. Donc cavalier D4 de la part de Spassky. Alors en venant en D4, Spassky essaie de colmater un peu les brèches, il contrôle des cases, hein. On a vu que la case de 6 pouvait jouer un rôle aussi.
Donc il revient un tout petit peu en défense, en fait. Hein. Ce cavalier revient en défense, très clairement. Il a refusé d'aller prendre la tour. Et là, ben, ça y est, c'est l'heure hein, d'en prendre G6, échec. Donc là, c'est très dur pour Spassky. C'est déjà, son aileron est en train de s'effondrer totalement. Mmh. Et après, roi G8, très simplement, dame H7, roi F7. Et enfin, ici, simplement, cavalier prend D6 tout de suite, échec. Voilà, alors il n'y a pas de case, il n'y a pas de coup. Il n'y a plus de coup pour le roi. La seule façon de parer le mat, là, ça va être de donner la dame. Voilà, on ne peut pas venir non plus en E7 à cause du fou. On ne peut pas monter à cause de la tour. On ne peut pas aller en G8 à cause de la dame. Donc il n'y a pas le choix, il faut prendre le cavalier. Donc ça gagne la dame. Et après, tour, prendre D6 et encore le coup, cavalier E6. Petit piège encore de Spassky, attention, il menace. Tour H8 et peut-être un mat, mais il y a le cavalier en fait. Hein. Non, ça va. Sauf qu'il joue cavalier F5. Il joue cavalier F5, donc... Tour H8. Menace mat, donc il y croit encore parce qu'il a, mais oui. Non, ça marche pas, tout simplement, parce qu'il y a cavalier H6, échec, ça bouche toute tentative, la dame va pouvoir sortir, on va pouvoir même gagner une pièce en reprenant sur le cavalier E6, avec échec derrière. C'est mat très rapide, on vous laisse d'ailleurs tester les quelques mats, c'est un bon petit égo, il y a trois quoi à jouer. Hein. Hein, exemple, alors sur cavalier H6, on n'a pas le choix, on ne peut pas prendre avec le fou. Exemple de coup, imaginons que les noirs jouent le coup roi E8 par exemple, mais c'est mat très vite puisque dame G6, échec, roi F8 et mat. Belle partie, hein ? Très belle partie, une attaque qui a été annoncée très rapidement. Kotov a annoncé la couleur, c'est parce qu'il a peut-être perdu un petit peu de temps à l'aile dame. Même beaucoup, même on a beaucoup. Bien vu, d'ailleurs, c'est toujours pareil dans les histoires d'attaques de roc opposé comme ça, enfin de côté opposé. On a vu d'ailleurs comment les blancs ont attendu, pour... d'ailleurs le roi a quasiment pas bougé en fait de la partie. C'est le premier arrivé qui gagne quoi. Voilà. On peut pas traîner. Premier arrivé, premier servi, et l'avantage va souvent à celui qui attaque le roi, puisque ce sont des menaces qu'il faut nécessairement parer, tandis que les attaques côté L-Dame pour Spassky et pour Kotov étaient un petit peu moins graves, puisqu'ils pouvaient donner du matériel en échange de l'attaque de mat, qui était quand même brillamment menée, parce que c'était... Oui, il fallait être précis. Très précis dans la réalisation. S'il y a effectivement ce genre d'attaque, s'il y a une imprécision, ça peut par contre être un désastre après, puisque l'avantage matériel gagné de l'autre côté par les Noirs peut s'avérer décisif. Donc voilà, belle partie. Bon, c'est parce qu'il y a encore un peu jeune qui aura le temps après de s'améliorer, mais on voit tout le talent de Kotov dans cette partie, et qui surtout... a été extrêmement cohérent du début à la fin. Il n'a pas hésité une seule seconde, il n'est pas revenu sur son idée de départ. Et bien voilà, pour cette partie de Alexander Alexandrovitch Kotov, nous terminons cette rétrospective sur ce joueur aujourd'hui. Merci Jérôme. Merci Stéphane. Et puis je vous dis à bientôt sur Diagonal TV pour d'autres... retour sur l'histoire des grands champions d'échecs. Au revoir. Au revoir.